Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer de la guitare avec un seul doigt. Et en l'occurrence avec le pouce. Oui, avec le pouce. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire d'où vient l'idée de cette vidéo. Eh bien, il y a quelques jours, j'étais tranquillement sur mon canapé en train de regarder la troisième saison de la série Ozark. Dr. Mead. Oh, Fred. Well, let's cut right to it, shall we, Fred? What is it going to take to put us over the top and host your convention? REO Speedway. REO Speedway. Yeah. If you look at a place in people die, you're going to have yourself a whole bunch of guests. Here's REO Speedwagon and their new single, Time for Me to Fly. Et oui, tout le long du morceau, le gars il joue avec le pouce. Et c'est tout. Alors on va essayer de voir ensemble ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'il fait exactement, et pour ça on va rejeter un œil sur la vidéo. Donc là on voit qu'il joue les cordes à vide et qu'il joue uniquement avec le pouce, apparemment sur les cordes graves. Sur les 4 cordes graves. Ok, donc si on joue quelque chose de similaire au niveau des positions avec un accordage standard, voilà à peu près ce que ça va donner. Ok, on voit que c'est tout pourri, donc soit, enfin il y a deux possibilités, soit il joue pas de la guitare et c'est un fake, soit il est dans un accordage autre que l'accordage standard. Alors a priori on va plus opter pour la deuxième solution et on va essayer de voir quel est cet accordage. Donc au niveau des accords, la chanson n'est pas vraiment compliquée. L'accord qu'il joue quand il joue juste les cordes à vide, c'est un accord de Ré majeur. Ok. Basique accord de Ré majeur. Ensuite il joue un Sol, Sol majeur. Et la majeure. Donc ça veut dire que sur nos cordes à vide, quand on joue uniquement les 6 cordes à vide de la guitare, on veut un accord de Ré majeur. Et donc pour ça, il va falloir qu'on traficote un peu l'accord de toutes les cordes à vide et voir si on peut obtenir un accord de Ré majeur. Alors, la première solution, bah, peut-être que déjà ça va être de mettre notre corde de Mi grave en Ré. Voilà, on va la baisser. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme note pour avoir un accord de Ré majeur? Et bah, il nous faut les notes Ré, Fa dièse et un La. Donc, ici on a déjà un Ré à la basse, on est bon. On a un La qui est à la quinte, peut-être qu'on peut garder celui-là. On a un autre Ré, ça peut être bon, on peut le garder. Ensuite, on va avoir, ici on a un Sol, on veut en tout cas soit un Fa dièse ou un La. Dans l'absolu, on pourrait imaginer monter le Sol vers un La, mais on peut aussi imaginer baisser ce Sol d'un demi-ton pour avoir un Fa dièse, et pour avoir ce Fa dièse-là. Ensuite, on a la corde à vide de Si. La corde à vide de Si, on la veut pas. Peut-être qu'on peut la mettre en La. Donc ça veut dire qu'on va devoir la baisser d'un ton et on va
vouloir cette note-là. Ok, et dernière corde, on a un Mi, peut-être qu'on va la changer aussi, et on va la mettre en Ré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et bien, de la corde grave à la corde la plus aiguë, on a un Ré, un La, un Ré, un Fa dièse, un La, et encore un Ré. Et on a donc un accord de Ré majeur. Donc les autres accords de cette chanson, on a dit que c'était un Sol et un La. Où est-ce qu'on peut jouer un Sol avec juste un doigt dans cet accordage? Et ben on va le jouer à la case numéro 5, et la manière dont il le joue, il va barrer que les 4 cordes graves, c'est-à-dire la corde de Mi, La, Ré et Sol. Ce qui veut dire que si je barre uniquement ces cordes-là, j'ai un Sol, un Ré, encore un Sol, j'ai un Si, donc là j'ai mon accord de Sol majeur, hein, Sol, Si, Ré. Et on va avoir les cordes à vide de La et de Ré. Donc la corde à vide de Ré, eh bien, c'est toujours la quinte de la corde Sol. Et le La, ça va être la neuvième. Donc ça va être un accord de Sol majeur avec une neuvième ajoutée. Si je monte d'un ton, donc de deux cases, je vais me retrouver sur un accord de La. Avec les notes La, Mi, La, Do dièse, qui est la tierce majeure, on a encore la corde à vide de La et le Ré, et en l'occurrence ici le Ré par rapport à mon accord de La majeur, c'est une quarte, donc je vais avoir un accord de La majeur avec une quarte ajoutée. Donc maintenant, je peux jouer le morceau avec juste le pouce. Je n'ai besoin de faire qu'un barré et je vais le faire avec le pouce. Alors, on pourrait imaginer le faire aussi avec l'index, hein, et barrer l'intégralité des six cordes. Ça pourrait se faire. Mais ici, la petite originalité quand même, ça va être de laisser sonner les deux cordes aiguës, donc la corde de, en l'occurrence la corde de Ré, qui est accordée en Ré, et la corde de Si, qui est accordée en La. Donc on va les garder, celle-ci, un peu comme une note pédale sur l'intégralité des accords. Et donc le seul moyen de pouvoir barrer les accords que l'on veut, l'accord de Sol et de La, tout en gardant les cordes à vide de Ré et La, eh bien ça va être de le jouer avec le pouce, comme ceci. Alors c'est pas évident, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer comme ça, donc il va falloir vraiment monter le coude pour pouvoir barrer les 4 cordes graves de la guitare. Donc voilà un moyen simple de jouer de la guitare avec juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Donc pour cela, il vous suffit juste de changer l'accordage de la guitare et d'avoir un accordage ouvert, c'est-à-dire quand vous jouez toutes les cordes à vide de la guitare, eh bien ça vous fait déjà un accord. Alors, au lieu d'avoir un accord ouvert majeur, on pourrait aussi imaginer avoir un accord ouvert mineur, et en l'occurrence, là on a accordé notre corde de Sol en Fa dièse, mais on peut aussi l'accorder en Fa, et comme ça on aurait eu un accord de Ré mineur, comme ça. Et on peut avoir un accord de Sol mineur.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, si le contenu de la chaîne vous intéresse, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également aller faire un tour du côté du site moderneguitaronline.com sur lequel vous pouvez retrouver plein de ressources gratuites. En attendant, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de la musique.